Frank Vandenbroek, ministre de l'enseignement en Flandre, veut interdire l'accès des écoles flamandes aux francophones. Une idée lancée hier et qui suscite des réactions en Wallonie. Jean-Luc Cruc, le député bourgmestre de Fran, parle d'attitude intolérante. On le sait, Fran a été l'une des communes pilotes en matière d'enseignement en immersion. Jean-Luc Cruc en profite pour réclamer à la communauté française des moyens pour ces écoles qui pratiquent l'immersion. Il y voit la solution pour favoriser l'apprentissage du néerlandais sans devoir franchir la frontière linguistique. On l'écoute, il est joint par Charlotte Legrand. Je me dis qu'on a eu raison d'initier ce projet d'immersion, mais je n'ai qu'un seul regret, celui-là il s'adresse à la communauté française, c'est qu'on ne promeut pas encore assez ce type d'école, c'est qu'on ne lui donne pas assez tous les moyens pour réussir, parce que ce que dit M. Vandenbroek prouve bien qu'il n'y a plus place, malheureusement, en Flandre, pour des francophones qui voudraient y apprendre le flamand. Et votre enseignement en immersion, est-ce qu'il reçoit un soutien financier de la communauté française ? Aucun soutien particulier, mais je peux vous assurer que ça coûte cher lorsqu'on doit trouver des bâtiments scolaires, lorsqu'on doit trouver des locaux qui n'existent pas. Mais c'est un choix qu'on a fait. Et je n'ai jamais regretté l'argent qui est investi là-dedans, mais c'est peut-être dommage que la communauté française ne fasse pas le même effort.